Bonjour Carole. Bonjour. Très plaisir d'être ici avec vous. Je peux vous demander, quand vous avez fini l'école de horlogerie, oui. Vous avez commencé à faire quelque chose à la maison. C'est un design pour une montre extraordinaire. C'est une montre qui, le mouvement, c'est au centre et ça fait une révolution chaque heure. Et le ressort de barillet, c'est dehors. C'est juste? Oui. Oui, l'idée, c'était de faire un mouvement tournant central. D'interpréter différemment la cage tournante qu'on attribue au tourbillon ou au carrousel en y mettant plus d'organes à l'intérieur que seulement l'échappement et le balancier. Ben, c'est extraordinaire. À ce moment-là, est-ce que l'idée c'est de participer dans ces grandes compétitions de breguet ou c'est quelque chose que vous avez fait pour vous-même? Non, à l'époque, c'était une passion. J'avais un ordinateur à la maison et je me suis mis à faire la conception de ce mécanisme. Me suis pris au jeu, j'ai peaufiné ce mécanisme virtuellement sur computer. Et puis un jour, je me suis dit, ben, j'ai envie de le voir fonctionner, de le voir faire tic-tac. Excellent. Et donc j'ai fait des plans pour fabriquer des pièces. Oui. J'ai fait fabriquer tous les composants et puis j'ai pris tous mes composants. Je suis allée à Paris chez mes parents et on a assemblé le prototype dans l'atelier familial. Ah oui, magnifique. Parce que vous avez dit que toute votre famille, c'est horlogère, est basée en Paris. Votre père, votre mère, votre frère, ouais, c'est ça? Ouais. Et quand il a entendu dire cette idée de la tienne, que vous voulez faire ce type de mouvement, qu'est-ce que votre parent a pensé? Mon père, il est dans la restauration de pièces anciennes. Oui. Qui est très éloigné de la conception, c'est les deux extrêmes. Mais il a toujours été passionné par la technique, par les échappements particuliers, pour lui-même en avoir inventé. Et ça l'a passionné, et on était une famille de passionnés à mener à bien l'assemblage d'un prototype. Oui, voilà. Et on peut dire que ça c'est le premier moment qu'on a vu l'idée de les choses orbitales qui a devenu votre langage de horlogerie en fait. Et le moment que vous avez assemblé ces pièces et vous avez vu pour la première fois le tic-tac, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est une satisfaction toujours, à chaque fois qu'il y a un mécanisme qui fait tic-tac pour la première fois, c'est à la fois un soulagement et une satisfaction, et en même temps, l'instant d'après, vous mesurez le chemin qu'il y a encore à parcourir, oui, pour mettre au point, pour faire fonctionner correctement le mécanisme. Faire tic-tac, c'est une chose. Avoir un produit digne de ce nom, c'en est une autre. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que c'est ça le prototype que vous avez fait? Oui, voilà. Ça, c'est le prototype dont on vient de parler, qui avait été assemblé à l'origine dans l'atelier de mes parents. Voilà. Extraordinaire. Donc ici, on voit qu'il y a un barillet extérieur. Oui. Dans la partie avec les 12 index. Et puis à l'intérieur de ce barillet, nous avons une cage qui porte tout le rouage, l'échappement et le balancier. Incroyable. Et qui fait un tour en une heure. En fait, c'est un tourbillon carrousel, une heure. Oui, ouais. Si on veut. Ouais, ouais. Et comment est-ce que vous avez entré dans les compétitions qui est créée par la Fondation Breguet pour un nouvel concept de tourbillon? Par hasard, à l'époque, je feuilletais un magazine d'horlogerie et je vois que Breguet avait organisé un concours ouvert aux créateurs horlogers. Et je me suis dit, pourquoi pas leur montrer ça? Parce oui, que c'est, oui, oui. Il y a un lien avec le premier tourbillon qu'a inventé Abraham Louis Breguet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris mon dossier sur mon ordinateur. Oui. J'en ai fait un dossier présentable. Oui.
pour présenter le concept. Et puis, j'ai déposé mon dossier avec le prototype à cette commission d'examen. Et dans ces compétitions, il y a des grands noms, des grands messieurs de horlogerie. En fait, il y a George Daniels. Ouais. Et aussi Philippe Dufour, ouais. Parce que j'ai vu une image que vous êtes tout ouais. entre. Et est-ce que vous êtes la seule dame? Oui. Est-ce que vous êtes la plus jeune? Oui, je pense. et les compétitions, qu'est-ce que c'est le résultat? Qui a gagné? Fin 1997. Il y a une cérémonie qui est organisée par la maison Breguet à Neuchâtel. Oui. Puisque c'est la ville de naissance d'Abraham Louis Breguet. Oui, oui. C'est où la soirée? C'est à l'hôtel Beau Rivage. Ok. Ah, excellent. Voilà. Et tous les gens qui ont participé à ce concours sont invités, ainsi oui. que la presse suisse. J'apprends que j'ai gagné, voilà, à mon grand étonnement, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Oui. Moi, j'étais déjà très heureuse de participer oui. à cette soirée, de oui. rencontrer tous ces grands horlogers. Et voilà, j'ai gagné ce prix de reconnaissance avec ce carrousel central. Est-ce que c'est un moment très émotionnel pour vous? Bah oui, parce que je suis jeune, il n'y a pas longtemps que je suis sortie de l'école. Je côtoie des horlogers de renom que je respecte, que j'admire. Et toi, d'un seul coup, vous apprenez que vous êtes honoré devant ces horlogers respectables. Moi, je trouve rigolo parce que j'ai vu des magazines avec le titre qui se dit « Prix Breguet, gagné par jeune fille ». Ouais, ouais, ouais. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Car je peux vous demander, ces mouvements, c'est très intéressant parce qu'il y a le ressort de barrière dehors. Oui. Comme ça, ce n'est pas possible d'avoir un courant. Comment est-ce qu'on fait le remontage de le ressort de barrière et comment est-ce qu'on change le ton, en fait, les aiguilles? Mm-hmm. Donc, ouais, il y a ici la platine avec, de ce côté-là, on voit la partie qui permet ce pignon. C'est ça, mobile les... ah, okay. qui viendra travailler dans plusieurs positions oui. pour remonter partie neutre et mise à l'heure. Oui. Ici, la partie tournante de la cage avec le rouage, l'échappement, le balancier, son axe central. Oui. Une cage en titane. C'est cette roue dehors qui a fait le tournage. Oui. Et puis ici... le barillet avec son ressort, oui. avec son axe central, oui. qui a une denture intérieure ici, oui, magnifique. Qui va permettre de faire oui. la connexion de la force motrice oui. avec la cage tournante extérieure. Mais on peut dire que c'est la naissance de l'horlogerie moderne, parce que pour moi, pour exemple, le monde en Afrique, c'est la naissance de l'horlogerie moderne parce que avec ce type de rotation, c'est nouvelle, ça n'existe pas dans les montres. Et on peut dire que ça, c'est le spark, la première inspiration, c'est magnifique. Bon, là, on est en 1997, oui. il y a 20 ans presque. Oui. Et je pense que c'est un peu la genèse de tous ces mouvements tournants et de tous ces super tourbillons. La genèse est là.